News, info sur NTV et CNN Télévisions. Gabon. Le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a été accueilli par ses compatriotes dans une joie indescriptible. Un accueil chaleureux à Port-Gentil. L'information multiplex sur CNN et NTV. Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, au plus près de ses populations. Il a quitté Libreville pour un séjour de 112 heures à Port-Gentil, la province de l'Ogooué-Maritime, où l'ont accueilli en masse les populations de cette province du Gabon. Ce fut l'occasion d'échanger et communier avec ses compatriotes. S'acquérir aussi des réalisations qui ont été faites à Port-Gentil, la capitale provinciale, ainsi que dans le reste de la province. À Port-Gentil, malgré une pluie diluvienne qui s'est abattue dans la cité pétrolière, les populations gabonaises sont sorties en masse pour accueillir leur chef d'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, et ce, depuis son arrivée à l'aéroport de Port-Gentil. On attendait son arrivée il y a longtemps. Là, on est fiers qu'il soit là, il nous visite, c'est important. Ouais, on est très heureux, la population l'attendait lui-même. On l'attendait. Très, très content. On remercie Dieu que notre champion est là ce soir avec nous. Nous, on est très contents. On est contents de l'arrivée du chef de l'État qui est notre président et notre fils. Nous sommes en joie à Port-Gentil de recevoir le président de la République. Que le nom de Dieu soit béni, soit exaucé. Que le Seigneur puisse toujours guider les pas de notre président de la République. Que son chemin soit toujours lumière de midi. Toutes les femmes sont derrière le président. Ce que la femme dit, Dieu a béni. Les populations gabonaises des quatre coins de la province de l'Ogooué-Maritime, mobilisées et galvanisées, ont réservé un accueil des plus chaleureux et mémorables à leur chef d'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui leur a offert quelques pas de danse comme pour dire « Je suis très heureux d'être parmi vous ». La forte pluie qui s'est abattue à Port-Gentil n'a pas empêché le chef de l'État gabonais, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, de communier avec tous ses compatriotes gabonais massés tout au long de son parcours à Port-Gentil. Il y a du monde. Le monde attend son chef depuis plusieurs années. Il n'était jamais venu nous dire bonjour. Et c'est un plaisir de revoir notre chef d'État, distingué camarade président de notre parti. Oh, avec plaisir, hein. On est tout content, hein, de voir notre président de la République. Hein. Faut qu'il s'arrête pas de femmes bouger un peu, hein, avec nous. Ça nous fait plaisir de, le voir. Hein. Nous sommes contents parce que notre frère est venu nous rendre visite et nous sommes là pour l'accueillir, même sous la pluie. L'agenda du chef de l'État gabonais, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, Port-Gentil, est chargé entre autres de la visite du centre multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel de Tsengé, de la base navale maritime nationale, et il se rendra également à Omboué dans le département de Timboué pour apprécier la route de Port-Gentil-Omboué, longue de 95 km. Le chef de l'État gabonais, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, se rendra aussi à Gamba, une ville chef-lieu du département de Ndougou. Il va sans dire que le président Ali Bongo Ondimba et ses compatriotes sont en communion totale. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.